Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Quatrième pont d'Abidjan, l'ultimatum du ministre Amédée Kouakou. Réouverture des frontières terrestres, une décision saluée par les transporteurs. Et permis à point, les conducteurs font une doléance au gouvernement. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, a visité le chantier du quatrième pont reliant la commune de Yopougon à celle du Plateau le jeudi 16 février 2023. Après avoir revu les différents compartiments de l'ouvrage, il ressort un sentiment d'insatisfaction quant à l'état d'avancement des travaux. Cette voie est extrêmement importante pour la ville d'Abidjan. On a déjà accusé plus de 2 ans de retard, ce qui n'est pas acceptable. Alors, la question que vous allez me poser, mais c'est dû à quoi? Mais c'est dû au fait que ce n'est pas parce que nous ne faisons pas un suivi régulier du chantier. Vous savez que c'est un appel d'offres international. L'entreprise qui a remporté le marché avait donné un coût. Ce coût, nous avons estimé qu'il était relativement bas. On nous a demandé de lui demander confirmation des coûts. Il a confirmé ses coûts, mais à la vérité, on se rend compte que l'entreprise, pour pouvoir donc gagner le marché, a sous-estimé donc ses coûts. Donc aujourd'hui, a d'énormes difficultés donc pour terminer le chantier. L'entreprise chargée des travaux a souhaité une prolongation du délai. Revenant sur l'importance de cet ouvrage pour l'amélioration de la mobilité dans la ville d'Abidjan, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a invité l'entreprise en question, China State Construction Engineering Corporation, à tenir les délais. Nous sommes venus donc leur dire que cette première phase qui part donc de Sebroko jusqu'au croisement de la voie qui vient donc du premier pont pour entrer dans Yopougon, ce tronçon-là doit être terminé à fin mars. Vraiment qu'ils prennent toutes les dispositions pour que ce tronçon soit terminé, pour permettre quand même à ceux qui veulent aller à Yopougon de passer sur le quatrième pont, parce que le pont lui-même il est quasiment terminé. Nous sommes en train donc de passer à la phase bitume. Et donc, tous les travaux à côté doivent être terminés rapidement. Les travaux de construction du quatrième pont d'Abidjan, d'un coût de 142 milliards de francs CFA, ont été lancés le 30 juillet 2018 par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire annonce que le pays va rouvrir ses frontières terrestres le 15 février à minuit. Elles étaient fermées depuis mars 2020 et le début de la pandémie de Covid-19. Une décision saluée par le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. L'ouverture des frontières donc, va permettre donc, aux transporteurs de continuer ce qu'ils faisaient par le passé, de poursuivre donc, les activités qui donc s'était arrêté depuis 2 ans. Et nous savons tous que l'exploitation des lignes internationales a un impact positif donc, sur la rentabilisation des affaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les transporteurs honnêtement se réjouissent donc, de cet acte du gouvernement et voudraient ici encore une fois saluer le président de la République pour cette action. Pour le président de la Mutuelle Générale des Transporteurs Professionnels de la CDAO, cette ouverture permettra à certains transporteurs de reprendre leur activité afin de joindre les deux bouts. C'est la joie. C'est une joie pour nous parce que depuis 3 ans, c'était une perte. On a eu des pertes parce que nos véhicules, tout était garé. On ne pouvait plus aller à Noé, on ne pouvait plus aller à Boisseau. Donc ça veut dire qu'il y avait un véritable problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous faisons que remercier le président de la République par rapport à les actions qu'il vient de mener. Je pense qu'il va encore sauver des vies aujourd'hui dans nos milieux parce qu'il y a des pères de famille qui ne travaillent plus. Donc avec l'ouverture de la frontière, et que nous savons que tous nos camarades vont commencer à vraiment faire un peu maintenant pour qu'on puisse trouver au bout de notre chemin. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est frontalière du Libéria, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Des milliers de personnes originaires de ces pays vivant sur le sol ivoirien devaient emprunter des chemins de traverse pour se rendre dans leur pays d'origine. La prolifération des stations à péage constitue pour le PPACI une nouvelle forme d'impôt indirect pour le contribuable ivoirien dans un contexte marqué par la cherté de la vie. Il n'était même pas content, et c'est ça qui est méchant, excuse-moi l'expression, il n'était même pas compte du comptait la cherté de la vie. Nous tous, nous savons par exemple que l'Ouest, le centre-ouest, le Grenier de la Côte d'Ivoire.
évoquant les raisons des nombreux accidents de circulation enregistrés ces derniers mois et qui coûtent 300 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire par an, Justin Katinan-Koné, porte-parole du PPACI, pointe du doigt plusieurs facteurs. Il n'a plus de solution. Il ne peut pas accroître la matière imposable, l'assiette de l'impôt, donc il crée des taxes. C'est pourquoi vous regarderez, il regarde là où il y a beaucoup de voitures, mais beaucoup de péages. Le parti de Laurent Gbagbo propose que des mesures structurelles plus fortes soient prises, se prononçant sur la réouverture des frontières terrestres. Le PPACI a salué la mesure gouvernementale qui, pour eux, aura finalement servi d'autres causes que celles pour lesquelles elle a été officiellement prise. Le permis à points est encore au centre des échanges des Ivoiriens. Avant le 1er mars, date d'entrée en vigueur de cette nouvelle orientation, les conducteurs routiers font une doléance. Ils invitent le gouvernement à considérer leurs mauvaises conditions de travail. Sur le plan social, les chauffeurs ne bénéficient aucune protection sociale et salariale, malgré le projet de convention interprofessionnelle de 2009 que les transporteurs peinent à signer. L'encadrement et la formation des acteurs ne sont pas efficients. Sur le plan des infrastructures, la Côte d'Ivoire manque de gares modernes. Depuis la pose de la première pierre de la gare moderne d'Agamé en juillet 2013 par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, le projet semble être oublié. Les terres de stationnement sont moins présentes et pendant ce temps, Abidjan est de plus en plus congestionné. C'est-à-dire qu'il y a tout dans le projet Abidjan. Ils ont donné de la voix pour l'assouplissement de cette réforme. Considérant que le permis à points est un élément nouveau dans le comportement des usagers de la route en Côte d'Ivoire, nous, professionnels du secteur du transport routier, plaidons auprès de l'État pour augmenter le capital des points de 16 à 18. Prévoir une période d'observation ou carence de 3 mois. Revoir la perte du nombre de points à partir de 3, 2 et 1. Revoir le temps de suspension de 2 à 1 an, assouplir le coût de la formation à l'Institut Sodra après l'état du permis de conduire. Les récentes statistiques des accidents de circulation en Côte d'Ivoire relèvent 46 accidents par jour, dont plus de 1000 morts par an. C'est pour cette raison que le ministère des Transports a annoncé l'instauration du permis à points. Objectif, lutter contre l'incivisme sur les routes et baisser considérablement le taux des accidents de circulation. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur 7 infos.